Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à une guidance intemporelle. Je sais combien vous aimez ce type de guidance, c'est pourquoi j'ai décidé d'en mettre un petit peu plus régulièrement sur la chaîne. Et comme je vous l'avais annoncé, celle-ci d'ailleurs va connaître des nouveautés, des changements et tout un tas de choses, et ça en fait partie. Pour les petits nouveaux qui auraient rejoint la chaîne et qui découvriraient l'univers et qui doivent se poser la question, mais qu'est-ce donc une guidance intemporelle? Eh bien, cela veut dire que peu importe à quel moment vous regarderez la vidéo, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 6 mois ou dans 12 ans, si vous êtes amené à la voir, c'est qu'il y a probablement un message qui vous est destiné et qui viendra peut-être répondre à une situation précise que vous vivez à l'heure actuelle. On y va tout de suite. Je vous ai fait un petit format façon Twitch parce que je sais que certains d'entre vous aiment voir ma tête même si en soi il n'y a pas grand-chose à regarder. Et je sais aussi que d'autres aiment voir le tirage. C'est pourquoi je vous ai fait ce petit format façon Twitch avec les deux caméras afin que tout le monde puisse être ravi. Allez, on va utiliser le tableau fantabuleux pour faire cette guidance intemporelle. Comme vous pouvez le voir, donc c'est un tableau que j'avais constitué par moi-même avec plusieurs outils pour essayer de faire quelque chose le plus précis, le plus complet qui soit. Tout d'abord, on va faire, enfin tout d'abord, non, mais je vous livre dans l'ordre du tableau. On fera une réponse par oui ou par non. Donc je vous invite dès maintenant à réfléchir à votre question, une question fermée qui nécessite soit un oui, soit un non. D'accord? Ensuite, ici, on a trois prédictions que l'on fera avec le rond de cristal. Mais ce que je vous propose de faire, c'est de faire deux prédictions et une rune afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus complet que seulement trois prédictions. On fera aussi une autre réponse avec le pendule. Donc, pareil, on est plutôt sur une réponse, on va dire, fermée. C'est-à-dire qu'on est sur du oui ou du non. Mais j'ai envie de dire un peu plus ouverte que simplement oui ou non, puisque je vous livre les différentes réponses. On va avoir excellent, compatible, favorable, indifférent, défavorable, contraire et désastreux. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur des réponses qui sont un petit peu plus nuancées qu'un simple oui ou non. Donc n'hésitez pas à poser une autre question. Hein. Je vous invite à ne pas tricher, à ne pas poser deux fois la même question, parce que sinon vous allez fausser votre propre réponse. Okay? Donc essayez d'avoir soit deux questions distinctes. Et si jamais vous n'avez pas deux questions, eh bien c'est pas grave, vous passerez l'étape des pièces ou l'étape du pendule. On fera aussi un tirage en trois cartes avec passé, présent et futur à l'aide de l'oracle de Pandémonium. Et on se fera un petit tableau d'analyse avec le carré fantabuleux. C'est parti tout de suite les amis, on y va avec le voyage de Pandémonium. Enfin non, l'oracle de Pandémonium, pardon, puisque le voyage de Pandémonium étant le livre. Vous avez vu, je fais ma petite promo comme ça. Alors, on va d'abord regarder pour le passé. Donc, la carte du passé va définir un événement qui s'est produit, comme son nom l'indique, dans votre passé, mais qui est toujours actuel dans le présent et qui pourrait potentiellement représenter encore une problématique qui n'a pas été traitée ou qui n'a pas trouvé de solution. Alors, pour le passé, nous avons le pentagramme. D'accord. Alors, le pentagramme ici pourrait faire référence à plusieurs choses, soit quelque chose qui est rattaché au domaine de la terre, au domaine du financier, au domaine du concret. Ça peut être la famille également, ça peut être les finances, ça peut être la profession, tout ce qui est vraiment rattaché aux énergies de la terre. Ensuite, le pentagramme, dans une autre mesure, ça pourrait aussi avoir un lien avec le spirituel, en nous disant peut-être que quelque chose a été invoqué, quelque chose a été appelé, et peut-être que ça n'a pas été clôturé, ça n'a peut-être pas été terminé, et on va voir ce qui va sortir par rapport aux autres cartes. Je vous dirai si on est plus sur une relation matérielle ou sur un lien spirituel. Mais voilà, gardez les deux en tête que ça pourrait soit avoir un lien avec le matériel, soit avec le spirituel. Si on est sur le matériel, eh bien ça va pouvoir nous parler autant de santé, hein, puisque la vitalité fait partie des énergies de la Terre, donc tout ce qui est lié à la santé, donc ça pourrait être un problème de santé, un problème médical qui a commencé par le passé. Si on est sur plutôt du matériel, du concret, du pragmatique, cela veut dire qu'on pourrait nous parler ici, nous évoquer une problématique pécuniaire, hein, puisque le pentacle, pardon, pourrait aussi représenter le denier dans le tarot, donc il pourrait y avoir un aspect ici financier, quelque chose en lien avec les finances, donc soit profession ou quelque chose en lien avec les finances tout simplement, ou sinon de façon un petit peu plus générale, la famille en règle générale. Je voulais pas être redondant, excusez-moi. Allez, on va regarder avec le présent pour faire déjà un lien avec le pentagramme. Alors, le présent, on a la croix. D'accord.
D'accord, donc la croix ici nous parle de quelque chose qui s'est terminé, mais qui pourrait potentiellement ressusciter. C'est-à-dire que quelque chose que vous aviez... Alors, ça peut être quelque chose de positif, hein? C'est pas forcément négatif, ça peut être quelque chose de positif, parce qu'il dit que, du coup, ici, ça pourrait être une sorte de projet que vous aviez en tête, que vous aviez peut-être même commencé, mais par manque de moyens, par manque de possibilités, par manque, tout simplement, peut-être qu'il vous manquait des outils, ou... Tout simplement, ce n'était pas le bon moment pour le faire, hein. Il fallait peut-être attendre que le temps passe, que vous, vous évoluiez aussi, ou que vous appreniez de nouvelles compétences qui vous aideraient. Donc, par conséquent, ici, on serait sur peut-être un projet qui a été, on va dire, avorté, qui a été, entre guillemets, écrasé dans l'œuf, parce que soit ce n'était pas le bon moment, soit vous manquiez de moyens, d'outils, de compétences ou autre. Et ici, donc, on a vraiment cet aspect de fin, mais quelque chose aussi qui va ressusciter, quelque chose qui va revenir à la vie. Donc, on nous parle bien de quelque chose qui a commencé dans le passé, que vous n'aviez pas terminé, que vous n'aviez pas pu terminer, et qui va revenir dans le présent, peut-être parce que justement, vous avez aujourd'hui acquis les compétences qui vous manquaient, ou que vous avez les bons outils, ou que vous avez les moyens financiers pour pouvoir mettre en place cette chose. Et on va regarder sur le futur. Ah, bah écoutez, on a cette carte qui ne veut pas rentrer dans le paquet, qui veut sortir. Alors regardons-la. Ah, nous avons la datura. La datura, la pomme épineuse, la trompette des anges, la pomme du diable. La datura est surnommée la trompette des anges et pour cause, puisque sa symbolique ici, c'est pour annoncer quelque chose. Hein. La trompette, généralement, les trompettes célestes, c'est toujours pour annoncer un événement, annoncer quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de positif comme de moins sympa aussi. Mais dans ce cas de figure, j'ai plutôt envie de croire qu'on serait sur une annonce un peu plus sympa, quelque chose de solennel, quelque chose d'officiel, quelque chose qui va prendre vie. Donc peut-être, pourquoi pas ici, que ça pourrait nous parler d'une... Je vous donne des exemples comme ça. Mais ça pourrait nous parler, pourquoi pas, d'une forme de mariage, hein, parce qu'effectivement, c'est un projet que vous ayez pu mettre de côté et par manque de moyens ou autre, eh bien, vous n'aviez pas pu le faire. Ça pourrait nous parler d'un projet maison, d'un projet professionnel. Pareil, hein, vous manquiez à ce moment-là d'outils, de... Je sais pas, de budget, tout simplement, hein, et vous n'aviez pas pu mettre en place ça. Aujourd'hui, pour moi, vous avez les compétences, vous avez les outils, vous avez ce qui vous manquait à l'époque pour pouvoir enfin l'annoncer, pour pouvoir enfin le présenter, pour pouvoir enfin prendre forme à la chose. Allez, on va détailler ça maintenant avec le carré fantabuleux. Ok, alors. On a une carte qui sort et ça va être la carte maîtresse qui est la carte des rubans. Donc effectivement pour la carte maîtresse, on nous indique bien qu'il y a des liens qui ont été coupés, il y a quelque chose qui n'est plus connecté, qui doit se reconnecter, qui doit se refaire. Attention, les liens coupés, c'est jamais quelque chose de définitif, hein. Regardez les liens, on voit qu'il y a un tout petit espace entre eux et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour les réunir, hein. Il suffit de prendre un fil et une aiguille, hop, on les recoud et on peut renouer tout ça. Donc on est vraiment sur quelque chose qui vient de se finir ou qui s'est fini il n'y a pas très longtemps, ou tout simplement qui a été mis en pause. On n'est pas sur quelque chose de définitif, on est sur quelque chose qui peut se refaire, qui peut se reformer. Alors, on va regarder pour l'événement. L'événement, on a l'ange gardien, donc on pourrait nous parler ici de quelqu'un qui va intervenir dans votre vie comme un ange gardien et qui va vous apporter, qui va peut-être vous délivrer, vous apporter l'aide dont vous aviez besoin, qui va vous apporter une forme de solution aussi, hein, ça pourrait. On va avoir... Oh, regardez, je vous parlais d'argent. L'argent est là. L'argent est là. Donc pour moi, ici, la relation avec l'ange gardien, ça pourrait être une personne extérieure, une aide extérieure qui va vous renouer avec l'aspect pécunier, qui peut-être serait responsable d'un aspect pécunier. Alors, j'ai pas de notion de vol, de trahison. Non, on est plutôt sur de l'entraide. Quelqu'un qui va vraiment intervenir pour vous aider, pour vous apporter quelque chose en lien avec le domaine financier. Alors, ça, c'est une personne qui va vous apporter les fonds qui vous manquent, peut-être. Ça peut être une personne qui prend un crédit à son nom. Ça peut être une personne qui vous prête ou vous donne de l'argent ou qui vous avance de l'argent. Ça peut être une personne qui peut prendre aussi tous les frais à sa charge aussi. Ou ça peut être une personne qui va vous apporter de l'argent, mais au sens métaphorique du terme. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous aviez
un ami, une amie, peu importe, qui soit bien placée quelque part et qui vous apporte une solution en lien avec un domaine financier. Je sais pas, elle va vous apporter du travail, elle va vous apporter une aide. Ça peut être, pourquoi pas aussi, une assistante sociale, quelqu'un en lien avec de l'argent, quelqu'un qui serait bienveillant. Mais ici, il y a vraiment pour moi une forme d'aide et c'est quelqu'un qui va intervenir pour pouvoir vous aider. Ça peut aussi reprendre l'idée de la croix. En plus, on a l'ange qui est juste en dessous de la croix. Donc, on peut avoir cet aspect un petit peu de divin, hein, comme une réponse du ciel qui vous serait apportée, comme si un ange gardien, voilà, un ange gardien, quelqu'un qui serait considéré comme un ange gardien. On va regarder pour le problème. Ok, le problème, on est sur l'esprit. Vous êtes actuellement en train de vous torturer l'esprit. Il y a des choses qui... C'est confus. C'est confus dans votre tête. Il y a des choses qui vous perturbent. Il y a des choses qui vous grignotent l'esprit, le cerveau. Et vous n'êtes plus en capacité de réfléchir parce que, voilà, ça tourne. Ça tourne dans votre tête. Il y a trop de choses qui tournent. Et ça tourne tellement que vous n'arrivez pas à voir les choses de façon précise. Et la relation avec l'ange gardien pourrait être aussi là. C'est-à-dire que l'ange gardien, en vous apportant certaines solutions précises, ça va peut-être vous aider à remettre un peu de clarté dans votre esprit. Et surtout, ça va peut-être vous tranquilliser aussi sur certaines choses. Ah, on a cette carte qui voulait sortir. Alors, on a le problème originel. Le problème originel, on nous parle d'une maladie. Problème originel, ça pourrait nous parler. Alors, la maladie, ça peut nous parler d'un mal avec vous-même, d'un mal-être, d'une forme de déprime, de dépression. Ça pourrait nous parler d'une maladie. Rappelez-vous, je vous avais parlé ici de la vitalité, de la santé, donc ça pourrait être lié. En plus, c'est sur la même colonne. Donc, le problème originel pourrait nous parler de soit que vous avez un problème physique qui vous empêche peut-être d'avancer et d'évoluer comme vous voudriez. Ça peut être, je sais pas, une maladie handicapante. Ça peut être un problème physique qui est handicapant, un handicap physique, hein. Ça peut être une forme de peur irrationnelle, un traumatisme, un accident de travail. Ça peut être tellement de choses, mais c'est des choses qui sont liées avec le côté physique et comme les virus sont rattachés à l'esprit. Ça pourrait nous parler aussi d'une forme de maladie mentale. Alors attention, quand j'emploie le mot maladie mentale, je ne suis pas en train de vous traiter de schizophrène. Non. Mais par exemple, le burn-out est une sorte de maladie mentale. La dépression est considérée comme une maladie mentale. La mélancolie, la nostalgie, tout ça, hein. L'éveil spirituel aussi peut être considéré comme une forme de maladie parce que ça provoque tellement de bouleversements à l'intérieur de vous et dans votre vie qu'on pourrait considérer ça un petit peu comme une sorte de dépression et donc quelque part d'une maladie mentale. Mais ici, on a voilà, quelque chose qui vous pourrit un peu l'esprit depuis quelque temps déjà, qui vous empêche de pouvoir vous concentrer. Et on peut voir aussi qu'il y a un lien avec le domaine financier. Donc ça pourrait être quelque chose qui peut être attaché à des problèmes financiers, hein. Vous avez du mal soit à joindre les deux bouts, soit à finir les fins de mois, soit il y a toujours quelque chose, il y a toujours une tuile qui fait que vous n'arrivez jamais à mettre de l'argent de côté, ou ne serait-ce que de disposer d'un petit peu d'argent. Et forcément, dans une relation de cause à effet, qui dit problème financier, dit que ça vous occupe l'esprit, et à force de cogiter, eh bien, ça peut entraîner aussi d'autres formes, hein. Je vous le rappelle que dans la vie, il suffit qu'un seul domaine cafouille pour que tous les autres soient aussi affectés. Alors, on va regarder l'évolution de cette chose. Ah, l'évolution, on est sur la maison, on est sur le foyer. Donc, on serait plutôt sur quelque chose de positif, et en même temps, il faut être vigilant parce que tout ce qui peut grignoter votre esprit va petit à petit grignoter votre corps physique, hein, et ensuite va pouvoir complètement envahir votre foyer, donc toucher votre famille, toucher tout le reste, d'accord? Donc il faut vraiment faire attention. En plus, je pense que ça va vous parler, hein, période de pandémie, tout ça. Mais effectivement, ça peut être le même principe qu'une pandémie, c'est-à-dire que pour l'instant, ça vous envahit vous, mais ça peut commencer à se diffuser aussi sur les autres et puis finir par envahir tout votre microcosme. Donc il faut vraiment y faire attention à ça, que votre foyer ne soit pas touché. Ici, la relation de l'ange gardien avec le foyer est très intéressante, puisqu'on nous dit quand même que votre foyer est protégé. Et je veux bien y croire parce qu'au-dessus de la maison, on a quand même le pentagramme, on a la croix et on a l'ange gardien. Donc, ce qui veut dire que votre foyer, votre maison, votre nouvelle maison, votre future maison, votre foyer en règle générale, votre maison actuelle, peu importe, mais votre espace à vous, lui, est protégé.
Par conséquent, si vous voulez aussi vous relever de cette forme de maladie mentale, à prendre avec des grosses guillemets, hein, il faut que vous centriez sur votre maison. C'est-à-dire que votre maison peut être aussi votre refuge dans lequel vous allez pouvoir recharger les batteries, vous faire du bien, guérir, avancer, évoluer, hein. N'hésitez pas à puiser dans les énergies de votre foyer. Alors, regardons pour l'opportunité. L'opportunité, on a le nounours dessus, donc ça pourrait nous parler d'enfant. Pourquoi pas, ça pourrait nous parler d'une grossesse à venir, d'un enfant à venir. Pourquoi pas. Mais l'opportunité, pour moi, par rapport au nounours en peluche, ça pourrait m'évoquer quelque chose lié à l'enfance, mais dans le domaine de l'insouciance. Peut-être que justement pour vous délivrer de tous ces soucis, il faudrait que vous commenciez à développer l'insouciance de l'enfance. Un enfant, il ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on remplit le frigo, comment est-ce qu'on paye telle facture. Non, il vit l'instant présent, il s'en fout, il réfléchit pas, pour lui, il ne se pose pas la question. Le frigo, il se remplit comme par magie. Les cadeaux sous le sapin, ils se mettent par le Père Noël. Bon, nous, malheureusement, quand on devient adulte, on perd ce côté un petit peu insouciant et on se soucie trop des choses. Mais à force de se faire trop de soucis, eh bien, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire que oui, il faut se faire du souci, ça peut être bon parce que les soucis peuvent nous motiver à sortir de nos zones de confort et prendre le taureau par les cornes et essayer de réfléchir à des solutions, saisir des opportunités, etc., etc. Mais trop de soucis, bah, ça fait l'effet inverse. Après, ça nous aveugle, on ne voit plus rien, on n'y arrive plus, on n'avance plus, on n'a plus envie non plus d'avancer, on a peur tout simplement d'avancer. Donc, pour retrouver cet équilibre-là, pour de nouveau retrouver des opportunités qui pourraient se présenter à vous, ou tout simplement voir ce qu'il y a autour de vous, peut-être qu'il faut retourner, il faudrait régresser à ce stade infantile concernant l'insouciance et la naïveté. Ah, attendez, j'ai une carte qui vient de sauter du paquet. On a la carte du sommeil. Dans la carte du sommeil. D'accord. Gardez-la en tête. D'accord? Gardez-la en tête. On va voir si elle ressort. Si elle veut ressortir, elle ressortira. Sommeil pourrait indiquer que vous manquez peut-être de sommeil. Ça pourrait être un conseil pour vous dire qu'il faut vous reposer davantage, qu'il faut prendre soin de vous et qu'il faudrait un petit peu lâcher les choses, hein. Le repos est votre meilleur allié. Alors, pour le choix, nous avons la foudre. Ok, la foudre nous parle d'un événement imprévu, de quelque chose qui est soudain. Il est possible justement que dans votre vie, vous ayez à faire des choix, mais des choix qui soient complètement irréfléchis. Enfin, irréfléchis, je me comprends quand je dis ça. Quand la foudre, elle frappe, elle ne prévient pas, hein. Elle n'envoie pas des micro-flashs pour dire « Attention, je frappais à tel endroit ». Non, la foudre se manifeste, point barre. Bon, la vie, c'est le même principe. La vie, quand vous avez quelque chose qui vous tombe dessus, en principe, ça vous prévient pas, ça vous tombe dessus, hein. Eh bien, vous, faut aussi vous adapter à cette vie-là, c'est-à-dire que vos choix doivent refléter également cet aspect de la vie. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Quand vous avez des choix à faire, plus vous allez prendre le temps de la réflexion et moins vous allez arriver à voir. Parce que plus vous allez réfléchir et plus vous allez sortir des points négatifs, des points positifs, et vous allez creuser, et puis à la fin, vous allez être là complètement indécis à vous dire, bon ben en fait, je sais plus, j'arrive pas à faire le choix, je sais pas. Et vous allez faire, vous savez, comme sur le téléphone, là, quand on veut faire oui, non, ou je déciderai plus tard. Et on clique toujours sur le décider plus tard parce qu'on n'arrive pas à se décider. On a peur que le oui ou le non, ça enclenche la Troisième Guerre mondiale, donc commencez pas, on décidera plus tard. Bon, ben là, c'est le même principe. Pour éviter d'arriver à ce stade de je déciderai plus tard, il faut que vous soyez rapide dans vos choix. C'est-à-dire, vous réfléchissez juste ce qu'il faut, vous pesez rapidement le pour, le contre, et ne réfléchissez pas trop, jetez-vous dans le vide, d'accord? Il y a un moment donné où il faut plus trop réfléchir parce que non seulement vous perdez du temps, mais en plus de ça, vous allez vous mettre à procrastiner parce que comme vous n'êtes pas sûr, ben, vous allez remettre ça au lendemain, puis encore au lendemain, etc., etc., etc. Et on arrive à la fin où vous n'avez plus du tout fait de choix et malheureusement, c'est trop tard. Et bien là, c'est le même principe, il faut que vous frappiez fort et vite. On a l'œil qui vient de sortir pour l'évolution. La carte est vraiment sortie toute seule là, du paquet. Hein. Ok, on a le démon. Ah, lui, on va le cacher. On n'a pas vu. Bon, écoutez, je prends de l'œil. Je prends de l'œil parce qu'il est vraiment sorti du paquet. Alors,
L'œil ici vous invite sur l'évolution, hein. Donc non seulement vous invite à faire preuve de plus de discernement, mais surtout c'est en termes d'évolution, vous allez enfin réussir à y voir plus clair. C'est-à-dire que pour l'instant, oui, c'est un peu brouillon, c'est un peu parce que vous ne savez pas trop où est-ce que vous vous dirigez. Mais justement, il y a un moment donné, comme je l'ai dit, il ne faut plus réfléchir. Laissez-vous porter par la vie, par les courants de la vie. Vous risquez d'avoir une aide qui va se présenter à vous ou qui est peut-être déjà présente dans votre vie. Cette personne va agir pour vous, elle va intercéder pour vous ou alors vous allez travailler avec cette personne. Ça peut être aussi une forme d'entité, hein. Quand je dis une personne, ça peut être une personne physique, mais ça peut être aussi une entité, hein. Mais ici, vous allez avoir le soutien et l'aide de quelqu'un ou de quelque chose qui va vous apporter des éléments de solution. Et justement, en vous apportant des éléments de solution, il ne faudra pas réfléchir. Ne réfléchissez pas, frappez fort et vite. C'est peut-être qu'on va vous demander votre avis. Eh bien, vous répondez oui, vous répondez non, mais soyez comme un enfant. Ne réfléchissez pas trop, soyez insouciant. Et on s'en fout des conséquences. De toute façon, peu importe les choix que vous ferez dans votre vie, vous aurez toujours des conséquences, que vous disiez non ou que vous disiez oui. Donc j'ai envie de vous dire, quitte à payer des conséquences, autant faire un choix justement et assumer fièrement ce choix et ne pas regretter d'avoir fait ce choix. Allez, maintenant, on va se faire une petite rune. Allez, je vais fermer les yeux pour pas tricher. Regardez, vous pouvez voir que je ferme les yeux, je ne triche pas. Je ne triche pas. Je retourne les cartes. Tac. Et j'en prends une. Et ce sera celle-ci. Et c'est Guibo qui nous parle de bonne fortune dans tous les domaines. Eh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hein. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Si, si, c'est beau, c'est très beau ça. Allez, on va se faire deux petites prédictions avec le rond de cristal. Je vous interprète pas la rune. Je pense qu'il n'y en a pas besoin. Guibo, bonne fortune dans tous les domaines. Hein. Quand même, c'est assez explicite. Alors, pour notre première prédiction, nous avons, regardez ça, une bonne nouvelle. Mais c'est logique en même temps, les amis. Ça serait pas cohérent qu'on ait des mauvaises cartes alors qu'on a Guibo qui nous parle de bonne fortune dans tous les domaines. Donc ça va avec la bonne nouvelle. Je vous l'ai dit ici qu'il y avait l'intervention de l'ange. On a les trompettes célestes qui annoncent quelque chose d'officiel. Le pentacle, en général, c'est toujours un symbole qui est positif. Il est rarement négatif, le pentacle. En fait, pour être honnête, il est jamais négatif. Même le pentacle inversé n'incarne pas le satanisme, sachez-le. Le pentacle, quand il est inversé, c'est pour montrer que votre sagesse, votre savoir est supérieur aux personnes qui portent le pentacle dans le bon sens. Mais sinon, le pentacle, c'est un symbole qui est purement positif et qui symbolise en règle générale toujours quelque chose de positif. Okay? Et la croix, même si la croix, c'est voilà, c'est un outil pour tuer. Hein, si Jésus était venu à l'époque de la Renaissance, le symbole de la chrétienté serait une guillotine, par exemple. Hein, s'il était arrivé à l'époque du Moyen-Âge, ce serait un bûcher. N'oublions pas que la croix, ça n'a rien à voir avec Jésus, c'est avant tout un outil qui permet de tuer. Hein, voilà. Bon. Malgré que la croix soit cet outil de mort, la mort, c'est aussi la renaissance, hein, quelque chose. Puis regardez, on a cette petite étoile qui symbolise l'espoir, quelque chose qui renaît, quelque chose qui ressuscite de la vie. Donc même s'il y a eu les épreuves, le calvaire, le sang qui a été versé, on a l'espoir de quelque chose, on a cette étoile. Hein. En plus, regardez l'étoile, elle est dans le noir, il n'y en a qu'une seule. Donc comme pour montrer le cap, la voie à suivre, l'espoir qui rejaillit des ténèbres. Non, franchement, c'est positif. Hein. Et deuxième prédiction. Attention, roulement de tambour. Nous avons une opportunité qui va se présenter. Bah voilà. Bah écoutez les amis, je pense que c'est quand même assez clair justement. Je vous parlais d'opportunité, je vous disais que il faut pas trop réfléchir quand vous avez une opportunité qui se présente. On ne réfléchit pas de savoir si c'est oui, si c'est non. On pèse rapidement. Et on se lance quoi. Imaginez que vous soyez sur le rebord d'un pont avec un élastique attaché aux chevilles. Vous avez deux choix. Soit vous êtes froussard et vous renoncez à sauter, mais c'est bête parce que vous avez fait la démarche, vous avez fait toute la démarche pour sauter. Et ce serait bête de renoncer maintenant que vous êtes au bord, vous êtes prêt à sauter. Et la deuxième option, c'est, eh ben, on ferme les yeux, on crie un bon coup et on saute dans le vide et on se laisse aller. Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire ici, c'est de fermer les yeux, de crier un bon coup et on saute dans l'inconnu. On ne sait pas où est-ce qu'on va, mais c'est pas grave.
Allez, on va terminer avec maintenant les deux questions par oui ou par non. Donc, je vous invite à fermer les yeux également, formuler votre question par oui ou par non, et on y va. Alors, première réponse, on a un non. Deuxième réponse, on a un non. Et troisième réponse, on a un non. Donc, trois non, ça veut dire que c'est non, non. Mais attention, ce non ne veut pas forcément dire quelque chose de négatif. Le non, il peut être interprété de différentes façons. C'est-à-dire que quand vous dites non, par exemple, à un enfant, à votre enfant, c'est pas pour le plaisir de lui dire non. Non, c'est parce que vous savez que derrière, c'est justifié. Si on lui a dit non, c'est pour une bonne raison. Si à l'heure actuelle on vous dit non, c'est peut-être pour une bonne raison aussi, ou peut-être que parce que l'énergie n'est pas présente pour le moment, parce que les choses n'ont pas à se faire tout de suite, peut-être qu'il y a des choses d'abord à régler avant, ça peut être un non rassurant. Hein. Si par exemple vous avez posé la question est-ce qu'il me trompe, c'est non. Mais si vous posez la question dans l'autre sens, est-ce qu'il m'est infidèle, c'est non. Vous voyez? En fonction de comment vous posez votre question, le non est à interpréter. Ok? Allez, maintenant, je vous invite à poser une seconde question avec l'aide du pendule. Et on y va tout de suite. Ok, le pendule se place sur favorable. Ouais, c'est un favorable. Donc là, on serait sur une réponse positive. C'est favorable. Ça va se faire. Enfin, ça va se faire. C'est favorable. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Ça veut dire que les énergies vous indiquent que c'est favorable. C'est le bon moment pour le faire. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire un enfant, bah effectivement, c'est le bon moment pour le faire. Si vous voulez déménager, c'est le bon moment pour le faire. Si vous voulez mettre en place quelque chose, c'est le bon moment pour le faire. Voilà. C'est pas un oui. Ça veut dire que c'est le bon moment. Effectivement, il faut profiter de ce moment-là. Voilà donc mes chers amis pour cette guidance intemporelle. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère également que ça vous aura fourni l'élément de réponse dont vous aviez besoin. Moi, sur ce, je vous embrasse fort. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.